Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. C'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Olivier Robillard-Lavaux et nous vous présentons cette nouvelle soirée des quarts de finale de la 26e édition de Ma première place des arts, un concours organisé par la SACEF sous la direction musicale du claviériste Guillaume Rochon. Le principe est simple. Ouvert aux artistes de la relève en chanson francophone, Ma première place des arts se divise en trois volets. À la fin de l'aventure, vous aurez un gagnant dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, un gagnant dans la catégorie interprète et un dans la catégorie groupe. Vous verrez ce soir quatre participants et après chaque prestation, nous irons voir les juges puisque ce sont eux qui ont le sort des candidats entre leurs mains. Est-ce que vous serez d'accord avec les juges? Est-ce que vous aurez votre nouveau coup de cœur musical ce soir? C'est ce que nous saurons au cours des 60 prochaines minutes alors que vous verrez sur scène les auteurs, compositeurs, interprètes Dom Gouin et Addison Pétrin, l'interprète William Beauchamp ainsi que le groupe Les Trois Tics. Je vous souhaite une excellente soirée. On débute sans plus tarder avec la présentation de notre premier candidat ce soir, Dom Gouin. Dom Gouin, bienvenue à la première place des arts. Merci, merci. J'aimerais dire, en fait, re-bienvenue, ouais. Parce que c'est ta deuxième participation. Tu étais venu avec ton groupe, le ouais, Tigre, exactement, il y a deux ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu à nouveau cette année? C'est l'expérience, c'est super cool, les ateliers de la SACEF, la place des arts, tout ça. Là. Ouais, le mentorat. De voir des gens aussi, rencontrer du monde. J'ai resté en contact avec des anciens de là, deux ans. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu as un grand parcours musical. Tu en joues de la musique depuis vraiment longtemps. Ouais. Comment tu as évolué à travers tout ça, le départ versus les compositions aujourd'hui? Très bonne question. Quand j'ai commencé, je te dirais à 15 ans, je faisais du québécois, Paul Piché, Possession simple de M. Goulet. Et Goulet qui va être ton mentor. Exactement. Fait que c'est drôle. La place des arts, ouais. tout est dans tout, comme ils disent. Fait que j'ai fait ça à 15 ans, parce qu'il est arrivé le grunge puis toute cette époque-là. Fait que j'ai embarqué là-dedans à fond. Fait que j'ai fait de l'anglais pendant proche 20 ans. Puis là, c'est tout nouveau. Je suis revenu au francophone. Puis pourquoi, j'ai aucune idée. C'est juste c'est revenu. Ah non, tu sais pas? Non. Bien, j'avais... en anglais, tu vas dire que je suis allé au dépanneur acheter du lait, ça sonne bien. Tandis qu'en français, j'avais comme une peur de mettre des mots sur des idées, puis de mettre ça en concis en quelques phrases. Puis j'ai fait une compo, je m'en allais à faire en anglais, puis je les essaye donc en français, puis ça a parti de même. Donc ça, là, ça fait faire 3-4 ans que je fais ça. Oui. Tu fais beaucoup de photos aussi. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur tes compositions? Est-ce que tu sens que l'œil du photographe s'exprime d'une certaine manière en chanson? Oui, bien exact. Tu sais, mettons, justement, je te disais tantôt, le français m'a fait peur longtemps, puis là, je le vois comme des images. Je vais faire une phrase, mais dans l'image qu'elle envoie, la phrase, tu vas avoir un couplet. Tu sais, plutôt que, tu sais, je ne suis pas un poète. Justement, hier, j'écoutais un documentaire sur Félix Leclerc. Lui, ses textes, c'est détaillé, c'est tout. Moi, c'est plus des images, exactement. Ouais. Il y a un côté très paysage dans la description, mettons, de ce que pouvait faire Félix Leclerc. Est-ce que c'est dans le détail. Ouais. Mettons, lui, ses textes, les détails sont dans les mots. Moi, c'est l'inverse. Les détails vont être dans l'image que toi, tu te fais dans ta tête, mettons, que pas qu'est-ce que l'image que moi, j'envoie. En fait, c'est ça, c'est que n'importe qui va écouter mes affaires, va y voir à sa façon. Mm-hmm. Même si toi parle de tel thème, tu vas voir ton image à toi. Bien, Dom Gouin, je suis vraiment content que tu sois inscrit à nouveau et que tu aimes venir à ma première place des arts. Plaisir pour moi. Bonne Merci chance beaucoup. Cette année. Merci. J'aurais dû faire d'emboîter le pas.
plutôt aujourd'hui. Mais m'en sais plus qui porte la shit de mon esprit. La profondeur des baffes au fond couler des bateaux tôt ou tard. Bonsoir, ton air de star te coulera quelque part. Ton paperwork haut de ton ego, mais les mots rapportés dans ma marge, mes propos. Dis de ton propre langage, dis-tu dans quoi tu t'engages. Engage-toi dans l'armée, man. On déménage, déménage, car le linge que tu portes n'ouvre pas les portes de ton esprit. J'espère que cette fois t'as compris le présent de ta vie, puis que c'est Lucifer qui te met ton beau calvaire à chaque soir dans le miroir. Pow! Je ne sais plus sur quel pied danser. Water, j'aurai tout baissé. Hey, merci beaucoup. Je suis maintenant pour une première fois ce soir avec les juges de ma première place des arts, les auteurs, compositeurs, interprètes Sylvie Cobeau, Amélie, Tristan Malavoy. C'est à vous que revient la lourde tâche de déterminer les artistes qui passeront au tour suivant. On vient de voir Dom Gouin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je commence par Amélie. Dom, un passionné. Comme il chante avec une passion, on sent quand il chante qu'il donne tout ce qu'il a. Et c'est vraiment beau à voir, c'est contagieux. On a envie d'aller gueuler dans le micro avec lui quand, dans les moments les plus intenses. Il y a le sens du hook. Il y a vraiment un aplomb, une belle énergie. Il y a des sujets précis, pas faciles à aborder. Je dirais comme dans ça, j'ai l'impression qu'on manquait un peu de sa perspective sur ces sujets-là, en fait. Qui aurait fait en sorte que ça m'aurait touché un petit peu plus. Il y avait ça décrit ce qui se passe, mais il m'a manqué le petit plus qui fait que pourquoi lui chante cette chanson-là, en fait. OK. Ouais. Sylvie? Ben moi, j'ai passé une bonne soirée. On a vraiment eu des belles propositions ce soir. Dom Gouin, il a beaucoup de musicalité. Il sait faire des chansons pop, incontestablement. Et il a une bonne voix, il a un bel engagement dans ses chansons. Comme disait Amélie, il a un choix de sujet qui est pas facile. On dirait qu'il s'attaque à des choses assez actuelles, assez dures. C'est bien, l'intention est super, mais j'ai l'impression qu'il survole un petit peu son sujet. Alors, est-ce que c'est pourquoi il a choisi ça? Effectivement, il pourrait nous le dire un petit peu plus. Mais ça, il a quand même une proposition qui est solide. Mm-hmm. Tristan? Les sujets, j'y reviens moi aussi. C'est étonnant quand même de nous parler d'Alzheimer, nous parler, il y a une chanson post-MeToo où il parle d'inconduite sexuelle. Mm. Ce sont des sujets qu'il comprend manifestement et il y a réfléchi, mais je suis d'accord, parfois la gravité du sujet ne traverse pas complètement, ne se rend pas tout à fait à l'auditeur. Parfois, il y a peut-être des choix d'arrangement, des choix mélodiques un peu trop planants pour révéler complètement cette gravité du sujet. Mais il y a aussi des segments où il vise juste, où il m'a touché beaucoup, beaucoup. J'aime sa voix. Il explore quand même un registre large avec cette voix-là. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve qu'on est souvent un peu trop collé à ses influences manifestes, que sont Marc Derry, que sont Louis-Jean Cormier, j'ai entendu du Patrice Michaud aussi par endroits, mais dès qu'il va se détacher davantage de ses influences, trouver sa fibre à lui, il va être à suivre. Claire. Parfait. Merci beaucoup. On passe au deuxième participant de la soirée. Voici le portrait de William Beauchamp.